Véronique, c'est celle quand même, c'est ma base. Hein. Donc Véronique, c'est elle qui m'a tout appris. Pour moi, j'ai pas trouvé d'entraîneur qui puisse l'égaler techniquement. Donc c'est vrai que c'est ma référence. À chaque fois que j'ai besoin d'être cadré techniquement, il faut que je fasse appel à Véronique. Voilà. Il y a encore 2 semaines, moi je m'entraînais tout seul. Donc après, c'est vrai que ça m'a fait du bien de m'entraîner tout seul, de prendre un peu de recul. Mais c'est pas possible. Quand je rentre sur piste, j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse, qui me serre la vis. Et c'était pas le cas ces derniers temps. Moi, je rentrais sur piste, je faisais mon petit travail, mais ça n'allait pas très loin. La fédération essaie de trouver des solutions, mais on n'a pas la même vision des choses avec la fédération. C'est qu'eux, ils estiment qu'il n'y a pas de bons entraîneurs en France, qu'il faut aller à l'étranger pour bien évoluer. Moi, je ne suis pas d'accord. Déjà, je ne peux pas partir de mon pays. C'est pas, je ne veux pas me flinguer le moral pour le patinage. Et j'estime qu'il y a de bons entraîneurs en France et qu'on peut faire de bonnes choses en France.